J'en ai pour quelques secondes. C'est le refrain souvent entendu et répété par les automobilistes en quête de stationnement. Et pourtant, stationner sur les emplacements prévus sans contrevenir à la réglementation en vigueur est une évidence théorique. Une évidence souvent très peu respectée dans la réalité. Mais ces comportements peuvent se transformer en situations dangereuses. C'est donc dans ce cadre que la municipalité a lancé une campagne sur les incivilités liées au stationnement. Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à la culture. Mardi dernier, la municipalité a distribué aux élèves des écoles maternelles et primaires de la ville un pass culture destiné à inciter les enfants à se rendre dans les 4 musées de la ville. Originalité, ce pass culture leur permet de s'y rendre accompagnés de leur famille et amis. Ce sont les enfants qui vont amener peut-être les adultes au musée. C'est une réflexion qui est née après le plan éducatif ville qui a été une grande phase de concertation et les états généraux de la culture que nous sommes en train de mener actuellement et qui tendait à dire qu'il fallait favoriser l'accès à la jeunesse dès le plus jeune âge. Donc nous on dit les enfants amèneront les parents au musée. C'est en tout cas le grand défi que l'on souhaite relever avec le Pass Musée. À compter du 11 avril et pour une durée de 5 mois, le viaduc Saint-Jacques fera l'objet de travaux. Des interventions nécessaires liées à l'âge de l'ouvrage d'art vieux de 50 ans et à l'usure classique ainsi qu'à des problèmes d'infiltration qui doivent être traités. Durant les travaux, la circulation sera donc fermée et la ligne A du tramway interrompue entre la Maison de la Culture et la gare de la Pardieu. Une ligne de bus sera mise en place avec la même fréquence et la même amplitude horaire que le tramway.